Allô? Oui, bonjour, Ah monsieur le oui, président. ah, frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va Ça va bien, bien. c'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier à Ah, mais je Niamey. suis Oui. content, je suis Je vais content. rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu, Oui, parce oui, que oui. je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord, ok. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui. la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de Oui. tenir encore 3 à 4 semaines Oui, financièrement. c'est ça. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, Oui. qui inclut les denrées alimentaires. C'est Oui. difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Oui. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de pression. Mais bon, ils essayent de gérer De ça. faire croire qu'il n'y a pas de problème, Voilà, quoi. c'est le contraire, quoi. Mais Oui. c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Mais Comment c'est ils sont ça, c'est ça. chanceux qui Oui, vont à un pays qui a 30 qu'à 40% de son budget financé par l'extérieur? Et ils pourront non, mais payer ils n'en les ont pas. salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils ne pourront même plus payer les salaires. Ce président, en Et ils ont février, ils ne pourront même pas payer. 1 000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument, Donc aucune. en 2021, ben ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours Oui. où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi, Oui, mais à ça va rien souscrire au changer, ça. titre. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. En Ouais. l'occurrence, la Et la BMS. Banque Mais de bon. solidarité Voilà, exactement. et puis la Banque de Oui. développement. Ouais. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Ils pensent que maintenant, ils ont. Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais Oui, qui bien commence sûr. aujourd'hui à réaliser que Oui. économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas Mais aller. ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et C'est pas vrai. y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis Ah sur ces oui. aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. Mais On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. oui. Et Mais tu en tout sais, cas. c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt ils l'utilisent. Mais Ah c'est bon? surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, voilà, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un russophone, il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels, écoute, Je suis en train de faire un point. Si bon, j'ai d'accord. Oui, l'occasion non, de j'essaierai de te revoir, voir ça d'accord. avant de je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir D'accord, ça me avant va, de c'est bien. voyager. On part, on a le sommet à Accra C'est ça. le jeudi, et bon, là, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et C'est ça, puis oui. ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fait plaisir. Je vous Voilà. enverrai un Si document tu as une aussi à ce moment. information urgente, Ok. n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord, je Voilà. ferai ça. Merci Merci, beaucoup. monsieur le Président. Merci bien. Et Bon bientôt, bon après-midi. courage. Hein. Merci. Au revoir. Merci. Merci bien. Merci. Merci bien.